12 broyeuses. C'est le don offert par le Conseil régional des Grands Ponts aux populations de Dabou, de Jacquesville et de Grand Lahou. Il s'agit pour le Conseil régional de résoudre le déficit en matière d'autosuffisance alimentaire. Nous entendons avec les organismes d'État appropriés, de recherche scientifique, travailler afin de relancer le plan manioc dans les Grands Ponts avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le problème de l'autosuffisance alimentaire, le problème de la filière manioc, c'est essentiellement nos sœurs, nos femmes, nos mères dans les villages qui vivent ce problème. Nous avons toujours dit que nous allions nous appesantir sur le problème des femmes en la matière. Le président du conseil régional invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Un message bien perçu par les populations, des pas de danse donc, pour exprimer leur reconnaissance au président du conseil régional. Depuis que nous sommes à Dabou, nous n'avons jamais bénéficié. C'est aujourd'hui que nous venons de recevoir ces machines-là. Ça nous va droit au cœur. Que le conseil ne s'inquiète pas, parce qu'on va bien s'occuper de la débrouille, c'est à 3 km. Donc ils peuvent à tout moment nous faire la surprise et ils verront qu'on utilise la machine correctement. D'une valeur de plus de 19 millions de francs CFA, les broyeuses multifonctions et polyvalentes sont, selon Gabriel Haye, le début des actes concrets du Conseil régional. Notons que déjà, dans la matinée, le Conseil s'était réuni en session extraordinaire, la première de l'année 2014.